national initial est présent ici à Port-Gentil, dans le Gouët-Maritime. Et pour moi, c'est un honneur de vous avoir aussi nombreux cet après-midi, ce soir, dans cette salle de BAC Aviation. Mes chers compatriotes, l'Union nationale initiale existe depuis le 22 juillet 2022, à la suite de la scission d'avec l'Union nationale. Notre parti, qui a reçu son récépissé définitif le mois de janvier de cette année, a fait sa rentrée politique le 21 janvier 2023. À l'occasion de cette cérémonie, nous avons décliné notre feuille de route. Nous avons décliné ce que nous entendons être du Gabon, le Gabon d'aujourd'hui et de demain. Nous avons dit que l'Union nationale initiale est un parti de l'opposition, mais un parti de proposition, un parti républicain, un parti démocrate, un parti qui veut participer à l'action politique de notre pays. Parce qu'il ne suffit pas simplement de contester, il ne suffit pas simplement de critiquer, mais il faut aussi savoir que ce pays que nous appelons le Gabon, c'est notre pays à tous. Et comme c'est notre pays à tous, nous devons donc savoir que ce qui se passe dans ce pays nous intéresse tous. Et pour cette raison, nous avons dit que notre parti sera, oui, un parti de l'opposition, mais un parti qui saura aussi dire comment il voit le Gabon et qu'est-ce qu'il propose pour le Gabon. L'alliance politique pour le Gabon, que j'appelle APG, consiste à mettre en place, dans un esprit républicain et patriotique, un large rassemblement politique autour de partis politiques, de personnalités politiques et civiles, pour préparer et proposer à la nation des réformes politiques, économiques et sociales à mettre en œuvre dans la période du quinquennat à venir, pour les 5 prochaines années à venir. Pour rendre crédible l'alliance politique pour le Gabon, il faut prendre l'engagement devant le peuple gabonais de rassembler nos forces pour remettre le pays sur les rails du développement et de l'état de droit. Quelle que soit l'issue des élections, notre pays va se retrouver à la croisée des chemins si le problème principal de sa gouvernance et les défis du développement auxquels nous devons faire face ne sont pas sérieusement pris en compte. Le grand risque est de voir les Gabonais perdre leur existence politique dans leur propre pays au profit de gens venant d'ailleurs. Je le dis parce que c'est une réalité que nous vivons déjà et qui pose le problème d'une absence de politique claire sur l'immigration et l'intégration à la société gabonaise et ses valeurs depuis longtemps dévoilées. Cette proposition que je fais au nom de l'Union nationale initiale a des grands axes. Et ces grands axes sont de renforcer et affermir les fondements de l'état de droit. Un pays qui n'est pas d'état de droit est un pays où tout et n'importe quoi se fait et il n'y a aucune sécurité pour chaque citoyen. Nous devons sécuriser les Gabonais dans notre pays et il faut que l'état de droit soit affermi et renforcé. Ouvrir le chantier des réformes politiques et institutionnelles pour la mise en place de la Troisième République. Établir un programme économique commun ayant pour corollaire un plan national de développement et d'intégration économique et sanctuariser les réformes sociales nécessaires à la protection des plus vulnérables et au lissage des différences de classe sociale. Voilà, synthétisé,
La proposition que l'Union nationale initiale fait pour concernant l'alliance politique pour le Gabon, cette alliance politique ne remplace pas les partis politiques, il les rassemble. Pour ceux qui croient en ce projet, cette alliance rassemble les personnalités politiques ou civiles qui croient en ce projet, où nous pouvons nous mettre ensemble pour réfléchir sur les réformes à adopter pour notre pays pour les cinq prochaines années à venir. C'est important parce que nous ne ferons jamais dans ce pays ce qu'il faut si nous ne sommes pas ensemble, comme pour construire nos villages, comme pour gérer nos villages. Un village où les gens sont divisés n'est pas un village. Un pays où les Gabonais sont divisés comme le nôtre, ce n'est pas un pays. Et nous devons nous mettre ensemble, travailler ensemble et faire en sorte que le Gabon soit un et indivisible.